Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 112 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui pour la première fois à un jeu de PlayStation 1. Comme vous le voyez, j'ai mis un écran PlayStation, enfin un écran normal, et j'ai mis le logo PlayStation dessus pour bien comprendre que c'était de la PlayStation. Donc on va jouer à Aladdin, la revanche de Nazira. J'espère qu'on pourra faire d'autres jeux PlayStation 1. Pour l'instant, on va faire celui-là qui m'a l'air plutôt bien. Alors, je gère ça avec mon émulateur, mais il n'y aura pas trop de lag normalement. Donc, c'est parti. Esprit des ténèbres, entendez mon appel. En cette nuit fatidique, je commande aux puissances du mal de suspendre les sabliers du temps et d'exaucer mon désir. Que Jafar soit rappelé du fond de l'abîme des ténèbres et ramené devant moi. Nazira, ma sœur, j'ai attendu trop longtemps dans cet endroit sinistre. As-tu découvert ce qui me ramènerait à Agrabah ? Ah, je retrouve Jafar. Selon une antique légende, il existe un sortilège capable de ramener le précieux souffle de la vie dans une âme éteinte depuis longtemps. À cause de sa puissance, les objets rituels nécessaires à ce sortilège ont été relégués aux confins du désert. Mais dès que je me les serai procurés, tu pourras renaître, et le monde sera le prix de nos efforts. Garde la tête froide, ma sœur. Méfie-toi d'Aladin et de son génie infernal. Je l'ai vu sous-estimé par le passé, et cela m'a coûté cher. Ne t'inquiète pas, Jafar. J'ai un plan pour me débarrasser du génie et de ce vaurien d'Aladin, une fois pour toutes. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez! Arrêtez, j'ai dit! Laissez-moi tranquille! Garde! Garde! Oh, oui... Oh non, je ne crois pas que je vais regretter d'être venu. Et nous voici dans le menu du jeu, donc on va démarrer une partie sur Aladdin, la revanche de Nazira. On a vu l'introduction qui n'était pas très forte au niveau son. J'espère que ça s'entendra assez. Vérification carte mémoire, n'a pas retiré la carte mémoire. Nouvelle partie. Oui, donc je vais faire une nouvelle partie en écrasant ce que j'ai fait. Donc on va s'appeler, Syl. Syl. Ah ben merde, non. Mais non, je me suis foiré de touche. Bon bah tant pis, on va s'appeler S.A. C'est pas mal. Al, maître, réveille-toi, Al. Allons, debout. Bonjour, génie. Qu'est-ce que c'est que ce réveil en fanfare? Al, comment as-tu pu me faire ça? Après tout ce que j'ai fait pour toi? Mais qu'est-ce qui t'a pris? Est-ce que les soins ne te suffisaient pas? Génie, de quoi est-ce que tu parles? Allez, Al, ouvre les yeux et respire ce bon parfum de terre. On te cherche. Regarde ça. Il doit y avoir une erreur. Par décret royal de la nouvelle souveraine d'Agrabah,
Nassira ? Ce doit être une erreur. Al, quelque chose ne tombe pas rond au palais. Oh non, tu crois qu'il est arrivé quelque chose à la princesse Jasmine et au sultan ? Al, tu ferais mieux d'aller voir sur place. Mais sois prudent, il faut t'attendre à ce que les gardes du palais soient à ta recherche. Ce vaurien d'Aladin vit dans ce taudis. Trouvez-le ! Oh, j'ai peur d'avoir parlé trop vite. C'est le moment de faire un petit tour de magie. Attention ! Accrochez-vous à vos chapeaux, les gars, parce qu'on va sortir d'ici ! Et nous voici, c'est parti ! On contrôle Aladin, comme vous le voyez. Hop, on peut sauter. On peut sortir notre épée. Hop, voilà, on peut taper aussi. Donc c'est bon, j'ai pris bien le contrôle du personnage. On peut commencer à récupérer donc ces petites pièces que je ne sais pas à quoi elles servent. On a sûrement quelque chose. Donc notre vie, je pense, qui est symbolisée par le symbole qu'on voit à côté de notre image. Et le 3, ça doit être le nombre de vies qu'on doit avoir au total. Alors, hop, il n'y a rien d'autre à faire ici. Al, tu as activé un point info génie. Très utile les points info. Sais-tu par exemple que les pièces sont la principale monnaie ayant cours à Agrabah ? Les pièces peuvent servir à accomplir des tâches nombreuses et variées et à l'occasion à acheter une ou deux choses. J'ai un petit conseil à te donner. Ramasse des pièces chaque fois que tu le pourras. Nous revoici avec le petit conseil du génie qui nous dit bien de ramasser les pièces. Avec les petits points info, putain, il y en a encore un là, les points info génie. Al, tu peux avoir un meilleur aperçu des alentours en appuyant sur la touche L1 de la manette. Cela peut s'avérer très utile pour ajuster tes tirs ou simplement pour jouir d'une superbe vue. Alors, les touches L1, R1, R2 et L2, ça nous permet soit de changer la caméra, soit de nous rapprocher d'Aladin. Alors, on continue. Ouais, non, en fait, non, je crois bien que j'ai raté, voilà, ça là-haut, et il me semblait que j'avais vu un deuxième truc bleu. Ah ben, il y a même un petit cristal à côté. Tu sais, Al, les pierres rouges ont une grande valeur. Si tu en ramasses 3 sur un niveau, tu entreras dans ma mystérieuse lampe magique et tu auras la possibilité de gagner un bonus spécial. Donc on récupère la pierre rouge et on va continuer notre péripétie. Hop, 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 hop. Alors, j'essaie de taper les... Ah ben ouais, voilà, de taper les moutons, mais... C'est assez marrant. Hop, hop. On récupère les pièces toujours. Tiens, il y a quelque chose là. Al, ceci n'est pas un jeton comme les autres, c'est un jeton génie qui t'offre la possibilité de remporter des lots inestimables sur ma machine à souhait. Collecte-en autant que tu le pourras et à la fin d'un niveau, fais un tour à la machine à souhait. Crois-moi petit, tu vas avoir envie d'en ramasser le plus possible car les lots en valent la peine. Donc s'il le dit, on va le croire, on va récupérer donc le machin. Ça c'est un point de contrôle qui permet de sauvegarder. Allez, on continue, encore un point génie. Maître, tu peux dégainer ton sabre en appuyant sur triangle et ensuite attaque en appuyant sur carré. Sers-toi de ton sabre pour attaquer les ennemis et pour briser des pots qui recèlent des trésors cachés. Pour rengainer ton sabre, appuie de nouveau sur triangle. J'avais déjà trouvé comment ranger mon sabre et le sortir. Par contre, ce qui peut être sympa, c'est de pouvoir aller casser des poteries. Alors là, on peut pas monter. De pouvoir aller casser les poteries pour récupérer les trésors dedans. Donc, bah, en gros, j'imagine avoir des pièces. Hein. Voilà, pas mal de pièces d'ailleurs dans celui-là. Une pièce. Rien du tout. Et une petite pièce. Alors on continue, encore un point info. Al, sais-tu que tu peux te servir de R2 et de L2 pour faire pivoter la caméra ? Essaie lorsque tu auras besoin d'avoir une meilleure vue du monde qui t'entoure. En appuyant sur les deux simultanément, la caméra se... Il y a la fin de sa phrase à bugger, mais c'est pas grave. Alors, je tourne la caméra, voilà. Peut-être pas trop non plus. Sinon, je vois plus rien là où je dois aller. Voilà. Allez, hop, hop. Et hop, c'est vrai que c'est mieux pour contrôler le personnage. Allez, un point info encore, on va changer. Al, prépare ton sabre. J'aperçois un garde. Appuie sur le bouton cercle pour contrer son attaque. Allez, donc on va se battre contre un garde. Alors là, un garde qui est en bas. Alors comment je me bats avec ce truc-là ? C'est quoi ? Oula, voilà, c'est bon. Je me suis battu. J'ai transformé en diamant, ça c'est pas beau ça ? Alors, on a quoi ? On a des vases. Ah bah tiens, des jus de pomme. Des jus de génie.
Ça m'a rechargé ma vie, voilà. Donc c'est pas mal. Et là-dedans, une petite pièce. Alors on monte en haut, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a un petit vase encore ici, mais bon, c'est encore pour de la vie. Et donc, on est déjà full. Allez, un point info. Al, tu savais que tu peux sauter sur les choses et les gens? Il te suffit de bondir et d'appuyer sur le bouton cercle. Et c'est ça sur ces gredins. Alors, on va essayer ce qu'il vient de nous dire. Donc, on va essayer ça sur des souris. Je pense qu'on peut taper les souris. Alors par contre j'ai de la peine à faire mon saut Ouais. Un saut, il faudrait que je fasse comme ça, voilà. Un saut un peu comme ça mais sur la souris. Et elle bouge assez rapidement. Elles sont un peu sous LSD, c'est regardez ces trucs, regardez. Elles sont sous LSD les souris. Allez. Voilà, toi je t'ai eu. Ouf. Une de moins. Et une de moins. Et l'autre qui se barre. Putain. Il faut aller la prendre dans un coin ou quoi? Allez! Et voilà, troisième détruite. Un point info génie, encore une fois. Putain, il y en a partout ces trucs. Certains gardes détiennent les clés qui pourraient te servir à ouvrir bien des portes. Bon, ce conseil-là est quand même beaucoup moins utile que les autres. Alors, on va taper le garde. Et comme par hasard, une clé qui apparaît. Et voilà, j'ai une clé qui ouvre la porte d'ailleurs. Voilà, elle est ouverte. Hop, on en profite pour récupérer notre vie. Voilà. Et on a un troisième joyau d'ailleurs, donc on aura droit à quelque chose. Sais-tu que je pense. Tu peux étourdir des gardes, te débarrasser des ennemis. Ah, fais encore un. Oui, te débarrasser des ennemis. Ton sabre. Il faut que tu rengaines ton sabre à l'aide du bouton triangle. Et qu'ensuite, tu appuies sur le bouton cercle. Il te faudra. C'est de savoir ce qu'il faut faire. Pendant que le marchand. D'accord, donc on peut lancer des pommes. Sois prudent. S'il se réveille et te voit prendre ses pommes, il te confisquera toutes les tiennes. Ouais, donc là pour l'instant, je vois pas de marchand. On va en profiter pour prendre les pommes. Qui ne viennent pas facilement à nous, d'ailleurs. Allez. Voilà. J'ai des pommes, on peut lancer des pommes, d'ailleurs. Hop. J'ai pas besoin de plus de choses. Alors un point info génie, hein. Al, écoute. Ce serait peut-être une bonne idée d'appuyer là-dessus. Bon, c'est un conseil aussi inutile que tout à l'heure. Bah oui, c'est une bonne idée d'appuyer là-dessus. Hein. Oui, bah je m'en étais douté, sauf que ouais. Voilà, j'ai trouvé comment appuyer dessus. Donc ça nous fait une petite plateforme qui monte. Espérons qu'elle redescend aussi, parce que ça serait pas mal. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ces trucs sur le mur là-bas? Je sais pas du tout qu'est-ce que ça peut être. Ah mais. Si j'y pense maintenant, mais c'est peut-être. C'est peut-être des cibles. Parce qu'on a récupéré des. On a récupéré des pommes, regardez. C'est peut-être des, on peut peut-être leur lancer dessus. Ah, j'essaye de me contrôler déjà. Hop, donc là c'est bon. Par contre, comment je vise ça là-haut, par contre? Comment il doit y avoir une touche de. Pour viser. Ah, peut-être la touche de LR. Ah oui, voilà. Voilà, comme tout à l'heure en fait, quand on zoomait au-dessus du personnage. Voilà. Et ça nous fait même un petit viseur, quoi, si c'est pas beau. Allez, là-bas. Hey, ça, j'ai un petit jeton de génie. Si ça c'est pas beau aussi, comme ça j'aurai peut-être mon bonus à la fin. Ouais. Allez, on continue, on passe la porte. Et je vous laisse un petit moment de gameplay de quelques minutes. On se retrouve dans quelques minutes. Al, tu peux glisser sur les cordes à linge en sautant et en t'y agrippant. Ensuite, laisse la gravité faire le reste. Eh bien, on sera pas allé loin pour le gameplay, parce qu'on a fini le niveau. Donc pièce 42 sur 45, j'ai presque tout, quoi. Point, jeton génie, j'en ai deux. Voilà, alors la machine à sous, ça doit être avec les jetons génie qu'on voit à gauche.
Alors, je lance une première fois. On va voir sur qu'est-ce qu'on va gagner. Qu'est-ce qu'on peut gagner, je sais pas, déjà ça serait bien. Aladdin, Aladdin, Aladdin. Vaincu, vainqueur. N'importe quoi. Donc j'ai dû gagner une vie, voilà, vie supplémentaire. Et on a un deuxième jeton, donc on essaye, hein. Ça coûte rien. Ça m'étonnerait qu'on gagne deux fois de suite, même. Ouais, ouais. Ah bah non. Vaincu. Je suis un vaincu. Non pas un vainqueur. Eh oui, malheureusement. Alors, tu as 45 secondes pour ramasser 100 pièces. Ah bah oui, ça c'est par rapport au diamant. À vos marques, préparez. Et bah, je suis prêt. 45 secondes pour ramasser 100 pièces. On va essayer de pas mourir aussi à l'occasion. Hop. Ah, c'est sympa ce niveau bonus. Il est sympa. Ah, par contre, il faut que je récupère beaucoup plus de pièces que ça. Non, non. Ah, j'ai raté la plateforme. Je l'avais, j'ai senti. Ah, j'espère que le mien atterrit. Bon, bah tant pis, c'était du bonus. Voilà. 43 pièces. Voulez-vous enregistrer? Oui, je veux bien enregistrer, ça serait mieux. Oui, enregistrement des données, ne pas... Enregistrement terminé. Ouais, c'est tout noir. C'est toujours tout noir. Ah, voilà, ça y est, on est revenu dans le jeu. Il était temps, et on va s'arrêter là. Donc ce sera tout pour Aladdin, la revanche de Nazira sur PlayStation 1. D'ailleurs, on n'a pas besoin de dire le 1, normalement, d'ailleurs. Allez, à plus! Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1.